Bonjour, je suis Edouard Akapolado, je suis ingénieur en électromécanique chez Togolais. Je suis le fondateur du Centre de recherche d'invention et d'innovation technologique, CRIT Lado COPSETS, et également le promoteur de l'Association des jeunes pour la promotion des énergies renouvelables et le développement durable. Notre objectif et mission, c'est de faire la promotion de la technologie en Afrique à travers la créativité, l'innovation, l'invention, les recherches scientifiques et technologiques. Avant d'aborder le sujet de la vidéo aujourd'hui, je tiens à vous excuser, à nous excuser auprès de vous par rapport à nos précédentes vidéos dont certains ont fait des suggestions, des apports qui n'ont pas été très bien faits en fait par rapport au son. Bref, nous avions fait des vidéos précédentes dont les sons, ce n'était pas très très audible, le son n'était pas sorti et tout, voilà. Nous avons eu quelques retours, voilà, par rapport à ça et nous pensons améliorer ça dans les prochaines vidéos. Merci pour toutes vos apports, vos suggestions et vos remarques. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons vous présenter une aussi de nos innovations qui est l'estampeuse de savon à pédale. On a des estampeuses de savon pour ceux qui fabriquent du savon. On a déjà fait une vidéo sur la coupe de savon. Aujourd'hui, c'est sur l'estampeuse de savon pour ceux qui fabriquent du savon. Après la coupure du savon en morceaux, il faut donner de la forme, une autre forme définie au savon et mettre le cachet ou le nom sur le savon. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter comment ça fonctionne, l'estampeuse de savon à pédale. Voilà. Et je vous prie de suivre également la vidéo de la machine. Voilà, ici on a le savon qui est coupé. Il a la forme plate partout. Voilà. On a différentes fois savon. Il y a la forme plate partout, la surface plate. Donc nous mettons ça dans notre estampeuse à pédale. Et puis, voilà. Et voilà, nous avons une forme, un cube, voilà, creuse qui est définie sur le savon. Et c'est ainsi que nous avons la forme finale de notre savon. Il est un peu dur.